David Guiraud pour la France insoumise. Merci Monsieur le Président. Bien, merci Monsieur le Président pour ce rapport qui est très intéressant. Bon, je crois que vous le savez parce que vous étiez venu dans ma circonscription il n'y a pas si longtemps à Ouattrolo. Une circonscription elle aussi très industrielle sur l'industrie textile, mais Roubaix qui était la ville aux mille cheminées a globalement perdu quasiment toutes ses industries. À la lecture de ce rapport, je ressors quand même avec une petite frustration, je vous l'avoue, c'est qu'on discute trop peu, notamment de la question de la monnaie, de l'euro. Moi, j'aimerais savoir quel est votre avis sur le poids de l'euro sur notre industrie, sachant qu'en plus, vous dites qu'on est sur une industrie en moyenne gamme, et je crois que je mets de côté toutes les autres considérations liées à la monnaie, mais qu'en tout cas, il faut qu'on arrive à avoir un bilan aussi sur notre monnaie, y compris sur les réglementations au sein de l'Union européenne, dont on parle assez peu, mais la plupart des délocalisations, moi j'étais au chiffre de 55%, mais peut-être que je me trompe, se font à l'intérieur de l'Union européenne, plutôt que des industries qui partent en Chine, etc. Donc là aussi, il y a quand même quelque chose à voir sur des réglementations qui permettent trop facilement à un actionnariat qui a pris le pas d'ailleurs sur les capitaines d'entreprise aujourd'hui, qui recherche des rentabilités à court terme et qui pour ça est prêt à délocaliser beaucoup plus facilement, et la réglementation leur permet de le faire un peu trop vite. Je note avec satisfaction quand même que vous appelez à resserrer le crédit impôt recherche, qui est une demande qu'on fait de longue date avec la France insoumise et le nouveau Front populaire, de la même manière que vous appelez à modifier l'assiette de la CVAE. Tout ça pour dire que en fait, on a quand même eu, là vous mettez le chiffre par exemple de 40 milliards d'euros en 2022, des investissements publics qui sont massifs, qui sont, faut le dire aussi, compensés par la consommation populaire, puisque c'est la TVA qui paye maintenant ces exonérations de cotisations sociales pour le CICE, pour d'autres politiques en faveur des entreprises, je pense à la CVAE, donc c'est quand même un choix politique budgétaire important qui concerne au premier plan les Français. Mais on a du mal à voir aujourd'hui un ciblage qui permet à l'industrie française de se relever, parce qu'elle a, quoi qu'on en dise, énormément perdu en progressivité. Voilà, mais je vous attends surtout sur les questions liées à l'Union européenne et au poids de la monnaie, parce que je pense que ça concerne très fortement notre industrie. Merci. Monsieur le Président. J'en profite pour revenir sur la question de M. Amiel, la troisième, qui était sur la décarbonation, qu'il me paraîtra, pardonnera d'avoir un peu négligé, en notant qu'effectivement, l'industrie est la principale bénéficiaire du dispositif de compensation carbone, notamment les énergies, les activités énergo-intensives, la chimie, l'acier et le ciment. Qu'il y a des évolutions très importantes sur le marché européen du carbone. Vous les connaissez très bien, la fin des quotas gratuits d'émissions, la taxe carbone. Mais qu'en toute hypothèse, tout ce qui va dans ces mécanismes est essentiellement ciblé sur l'industrie. Par exemple, s'agissant du fonds chaleur, 76% des aides vont à l'industrie manufacturière. Et là, il y a une très forte sensibilité. Effectivement, à ce que nous disions sur le carbone. Et évidemment, ce sont là des réflexions et des actions qui sont articulées de très près. J'ai, pardonnez-moi, monsieur le député, peu de réflexions sur la monnaie. En général, d'ailleurs, on en fait peu. Ce n'est pas exactement un sujet qui nous concerne. Je suis toujours très prudent sur la monnaie. Après, on peut être pour ou on peut être contre. Ça, c'est un autre aspect. Sur le contrôle des investissements étrangers, il y a quelques centaines d'entreprises, de laboratoires, listes clarifiées. La DGE joue là un rôle fondamental. Le contrôle s'est renforcé depuis 10 ans. Et la France est parmi les pays où le nombre d'entreprises contrôlées est le plus important. Là, je reviens sur une question du président. Mais là encore, on peut aller plus loin dans l'analyse sur ces sujets. Sophie Pantel pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président.